Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne, qui est quartier général li, dans West Palm Beach. Encore une fois, avec vous, votre frère, le grand Parisien Savant dans deux salles, 20 reports. Joyeuse Pâques à tout le monde qui a coûté nous. C'était une semaine sainte et nous pourrons regarder un peu cette semaine avec les sept paroles de Jésus-Christ sur la croix en fonction du bouleversement de notre monde actuel. Salut, auditeurs et auditrices de la radio Nouvelle Lumière, de la radio Haïti Tropical, en collaboration avec le PDG Rostin Jean-Pierre. Radio Haïti Tropical qui a fêté 15e anniversaire. Li. Et pour dire radio à bonne fête, nous invitons à relever Rostin Jean-Pierre dans 407-431-2409. N'a pas pause et n'a pas retourné. L'homme c'est Alan Daphnis, pour le avocat Rogatowski et Matthews. Sous-gardez, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui a pour caille par où, ou qu'on a subi une série de dommages en dedans caille à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille là, mais il craque, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui voit que c'est dommage ça, ou qu'on a subi dans caille à cause de la pluie, m'a encouragé pour relever le bureau avocat Rogatowski et Matthews. Y a voyé un public audience pour évaluer dommages qu'on a subi en dedans caille là. Le pap chargeau pour ça, y a prend ça en charge et les compagnies assurance là pour capable faire voir l'argent pour réparer dommages qu'on subit en dedans Kayoa. Sont gérés les avocats Sam dans bureau Rogatowski and Matthews Kounia dans 954-995-3805. C'est 954-995-3805. Songez, le pape charge 5 ans pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dit c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relil. Fait ça Kounia. Relé avocat Sam Rogatowski dans bureau Rogatowski and Matthews 954-995-3805. C'est 954-995-3805. Pour nous avoir une idée de situation dans le monde, nous allons aller dans Genèse 3 pour nous voir côté l'ange déchu, Satan, présenté comme un serpent, tal si mais doute sur l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience du Créateur. Et le monde, à cause de ce ange déchu, qui a un propre pouvoir, qui n'est pas content à ce que Dieu crée l'humanité, et nous venons le monde qui est divisé en deux, il y a les forces du bien et les forces du mal. Et là, on regarde ce monde bouleversé, ce monde qui devient plus méchant, ce monde théorisé par les actes barbares des hommes, nous poser peut-être nos questions, pour qui ça devient plus méchant après les sacrifices de la croix. Et c'est une coutume pour appeler l'Église, et plus précisément l'Église chrétienne haïtienne de Palm Beach, à West Palm Beach, côté, il a passé en revue et toute l'autre l'église tout, d'importance, les dernières sept paroles solennelles de Jésus sur la croix. S'il était venu pour te porter la paix et l'amour entre les hommes, l'amour fraternel, nous croyons que nous sommes en situation extrêmement difficile. Il fut un temps dans la Grèce antique, l'un des pires châtiments, c'était un châtiment collectif. Côté si on membre de famille posons acte, et puis toute famille paye conséquences. Et nous te joignons tellement son acte barbare que plusieurs conventions, avant nous venir le monde civilisé, déclarer que ce sont des crimes de guerre. Malheureusement, nous dans le 21e siècle jusqu'à présent, malgré que nous devenons monde décivilisé après les deux guerres mondiales, n'a pratiqué encore le châtiment collectif, punition collective. Et n'a perpétré les mêmes actes barbares que nous t'ai considéré longtemps, c'était de la barbarie extrême. Mais étant donné que ce monde dont nous vivons, côté n'a vivre là,
l'a couru à la vitesse de la lumière, a fait bac pour aller vers le barbarisme. Or, des actes de barbarie que n'a posé et puis mal passé la barbarie préhistorique. Parce que pour nous poser ces actes de barbarie, nous gagnons des âmes plus puissantes, plus destructives. C'est que nous avons montré que barbarie et préhistorique là, pas été en rien du tout face à la barbarie actuelle. Nous sommes tous des barbares. Au point que si vous regardez à travers les 45 guerres actives dans le monde, il y a une série de côté, par exemple, l'homme décivilisé a utilisé un acte barbare contre un barbare. Par conséquent, nous tous, nous venons des barbares. Et l'ordre mondial que nous questionnons qu'on y a là, qui est comme chef de file les États-Unis d'Amérique, qui s'aiment nous comme résultat, comme conséquence, c'est la faim, la misère, la pauvreté, le chaos, le désespoir et les guerres. Qui ça nous pourra le faire? Et pendant que nous avons parlé là, et nous avons invité ou même pour utiliser Internet là pour aller derrière information, pour former tête, pour une idée générale de ce qui a passé à travers le monde, parce que ou même ou yon membre de ce monde. Que pendant que nous avons parlé, pas qu'un pays qui a autorité morale pour dire halt là. C'est soit c'est eux-mêmes qui commettent ces crimes de guerre, qui commettent ces actes de barbarie, qui posent ces actes barbares, ou du moins, ils ont supporté financièrement et avec ZAM, groupe Mounio qui a posé ces actes barbares. Nous sommes dans le barbarisme net. Ou du moins, il y a l'autre pays qui supportait par silencieux les actes barbares posés par les autres pays. Et à cause de ce silence, c'est comme si on dit qui ne dit rien consent. Ça veut dire ou approuver, ça veut dire ou d'accord avec ces actes de barbarie qu'a posé à travers le monde dans les guerres actuelles. 45 guerres actuelles, les plus prominentes, plus ça nous tendait de eux, c'est la guerre entre Israël et Hamas et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Côté, moun a mouru chaque jour. L'homme devient un loup pour l'homme, l'homme devient plus barbare que la barbarie préhistorique. Comment nous fait arriver là? Et les regarder en nous non semaine sainte et dimanche Pâques, n'a parlé de vendredi saint et nous gagnons exemple de notre Seigneur Jésus qui prononçait une bonne parole et il pensait une bonne parole dans les derniers moments que nous-mêmes, l'homme, te doué suivre. Tout d'abord, dans sa première parole, que nous jouons dans Luc 23, 34, il dit, « Papa, pardonnez-vous, vous pas contre ça, vous avez fait. » Yon prière, très courte, que le fait à papa, pour pardonner moun yo k'ap sacrifye la. Et ou même qui dit ou gon frère ou riche ou pauvre, blé ou rouge ou noir ou blanc, son frère
est-ce que nous-mêmes nous prenons décision que ce soit ça mon en fait pour qu'à pardonner et pour les disciples de Jésus-Christ à travers le monde, les Haïtiens qu'a écouté nous là, même dans la prière du Seigneur, il dit nous c'est pour nous pardonner frère nous même gens pour bon Dieu pardonner tout son condition parce que sou pas qu'a pardonner frère ou vivre avec lui bon Dieu pas pardonner tout. Comment faire nous arriver dans situation ça? Il y a une bonne doctrine, une bonne philosophie, mais bagaille qui pis simple hein, c'est l'amour fraternel. Est-ce qu'on remet fort ça? Est-ce que vous même ou fait tout ce capable qui n'en pouvoir ou pour améliorer son lit? Est-ce que vous même sou rivé au pouvoir ou gen souci pour le bien-être de vos frères et sœurs, citoyens concitoyens? Est-ce que vous même vous prêtez loin de la corruption et de l'impunité, de bagailles, de fléaux pour toutes les sociétés, qui a détruit toute société? Et la corruption qui gagne des effets néfastes, non seulement sur le développement social, le développement économique, sur la jeunesse du pays, l'autorité morale même de l'État et l'environnement. Est-ce que vous-même, vous pensez à Frosayo? Et que, quand on chrétien, quand on lit la Bible ou pas, ou un bon exemple devant vous, tout est vanité. Ouè moun nap goumè, l'ap tue moun pou tèl, l'ap tue moun pou l'ajan, l'ap tue moun pou possession, et puis, pep y tombe l mouri, tout bagè rete, li la lè kon sa. Et nou konè tout homme debout, nè kè souf. Tout pale wap pale, tout bagè wap fè, tout ego, tout, c'est parce que ou gen ti souf la, que l'on leve matin, ou ou gen souf la, et puis vous dit bon Dieu merci pour cette grâce parce que son bénédiction. Est-ce que nous-mêmes qu'on y a là nous pardonner frère nous? Là on regarde le monde qui est bouleversé, le monde avec toute sa méchanceté ou pas quoi que nous fait ça. L'amour fraternel a disparu petit à petit. Troisième parole qui même faite en fonction de la première que Jésus-Christ a répété, qui montrait son humanité. Même Jean tant qu'on nous. Il y a un souci pour maman, l'a gardé maman là, et il y a un souci pour l'autre disciple qui était là, et puis il dit maman, mes petits tout, et petite, mes maman. Le sacrifice des disciples là, c'est pour maman, après l'amour, après le point soigné. Est-ce que vous-même, vous avez fait tout ce qu'on est capable à ce que, pour aider les gens à avancer en âge, maman ou papa, sous une possibilité? Est-ce que vous avez même souci pendant que vous avez fait face à des situations difficiles, vicissitudes, épreuves, tribulations, ou gain souci ça pour honorer maman, papa, toute famille, toute proche, frère et soeur. Dans la semaine certainement, nous devons poser tête nous une bonne question. Les n'ap garde nouvelles, les n'ap tant de nouvelles pour nous voir ça qui a passé. Haïtiens qui écoutent nous à travers le monde, que ce soit à travers YouTube, à travers Facebook, Radio Nouvelle Lumière, Radio Haïti Tropical, Radio et Delta. Est-ce que nous avons un souci pour freiner ce nous qui est en misère en Haïti? Qui s'est passé?
comme un homme avancé en âge, moi-même c'est aller m'a pour aller, même les m'a grandi en Haïti, même dans cauchemar. On pas ta pour Haïti ça. Qui ça qui passe? Qui ça nous fait? Et qui ça nous pas fait? Le monde est bouleversé. Est-ce que par exemple nous pouvons faire back en arrière, non pas avec cette vitesse pour aller vers la barbarie préhistorique, mais parce que, étant donné que nous sommes tous des barbares et que nous commettons des actes de barbarie qui pis mal passer les temps préhistoriques, parce que nous avons plus d'âmes, des âmes puissantes pour commettre ces actes, est-ce que vous-même ou à pouvoir faire tout ce capable pour yon exemple. Pour yon exemple. Est-ce que par exemple, les Jésus te dit sous la croix, les soif, c'est dit qu'il montrait son humanité, est-ce que vous-même, dans la sphère d'influence ou ou à travailler avec l'autre monde pour ce que on connaît on série de côté car il y a un monde qui soif mais pour mettre de l'eau disponible pour y trouver pour y passer soif là est-ce que vous même ou fait ça c'était cinquième parole de Jésus-Christ sur la croix moins soif. Mais il était là jusqu'au bout. En même fois tout, il était Dieu. 100% humain, 100% Dieu. Alors, étant donné que humain, c'est l'humanité de Jésus-Christ qui était en évidence pour le montrer nous que ou ka gon frère qui ka soif est-ce que ou ou poil baille yon ti de l'eau est-ce que ou poil prend soin de ce plus petit que soi monde lan bouleversé m pa ka camper pou m fin di ça m'a toujours répété le monde devient plus méchant, plus terrible. On dirait que nous avons intention pour nous détruire plus vite que possible. Nous avons des menaces nucléaires, nous avons des menaces biologiques, des menaces et technologiques. Et nous avons des menaces non traditionnelles comme les changements climatiques, l'intelligence artificielle. Qui ça n'a fait? Nous connaissons nous-mêmes de la vieille génération et nous tendons ça tout la nouvelle génération. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qui ça n'a fait avec cette connaissance? Est-ce que nous travaillons avec lui pour améliorer le sort du monde, le sort de l'homme vivant sur cette terre? Ou du moins n'a pas utilisé les pour détruire l'humanité. Monsieur scientifique à Chicago qui était créé et l'horloge de la fin du monde, il a dit nous consacre nous à 7 minutes de l'heure fatidique, c'est-à-dire minuit, c'est l'heure de l'apocalypse. Pour qui ça? Alors que nous tous, ces humains, n'a vivent non seul côté, dans une petite terre qui pour nous toutes. Et dit, j'ai soif. Et comme nous-mêmes, comme yon moun qui en Haïti, comme yon moun qui a tout pro là, qui n'a même qu'à avec ou, gen de l'ay, gen doit sentir tout, qu'on abandonne. Jésus-Christ comme humain, te poussé cri d'angoisse ça. Pendant que la beauté péché de l'humanité, péché du monde entier, mais il sentit, il dit,
papa pour qui sont là game comme ça. Me senti ou abandonné. Est-ce que ou même dans entourage ou, au milieu des membres dans famille ou, proche madame petite Marie, est-ce que moun ça pas le même sentiment ça pour le sentir que ou abandonné l. Ou abandonné l. Ou pas font vivre regarder qui ça cap passer le monde pour le devenir aussi méchant malgré tout. Nous avons une bonne guerre, par exemple la guerre d'Irak sur l'ancien président des États-Unis George W. Bush, c'est en guerre choisie, en guerre décidée par lui. 1,033,000 Irakiens mourus pour remercier. Pour la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors que y a rapporté 392 000 soldats russes perdent la vie, on l'a 300 même fois irakiens perdent la vie, parce qu'on en a parlé, nous presque qu'arrivé pour nous dire ça que 1,000,000 moun mouri pour guerre ça. 1,000,000 moun mouri pour guerre ça. Yon bonne guerre idéologique, guerre passée doctrine, etc. Qu'en est-il de ce monde? Qui s'en a fait avec le monde ça? Qui s'en a fait avec l'humanité? D'après l'Organisation des Nations Unies, en juin 2023, il y a déjà catalogué 110 millions de monde déracinés. Ils ont quitté côté où t'es fait, côté l'ombre où t'es enterré, côté où t'es commencé à vivre, pour y aller en l'autre côté à cause de politique, à cause de guerre, et quelques-uns à cause de changement climatique, parce que mounio qui sous pouvoir là, ils ont dilapidé, gagoté, volé les fonds publics. Au point que yo pa ka utiliser pour yo préserver la nature, pour yo gon plan d'envie et national et d'aménagement du territoire et de manière à ce que pour moun sa ou protéger. 110 millions moun. Et depuis gon guerre, premier bagay qui fait, c'est réfugié. Pour l'Ukraine, 6,549,000, près de 7 millions de Ukrainiens quittent le pays à cause de cette invasion. Voici le monde dans lequel nous vivons maintenant. Il y a un monde bouleversé, il y a un monde plus méchant, un monde terrible. Et qui ça qui rend le terrible? C'est nous-mêmes, à cause de l'ambition politique, à cause de l'ambition et démographique. Nous voulons étendre le territoire, non? Et pour qui ça? Nous ne connaissons pas. Pour qui ça? Nous ne connaissons pas. Alors, nous avons un monde qui, dans l'ordre mondial, que nous dit nous civiliser, et maintenant, nous voyons que nous sommes tous des barbares. Poser des actes de barbarie que les hommes du temps préhistorique n'ont pas posé, parce que pas gain ces âmes aussi puissantes que nous gagnons pour nous poser ces actes de barbarie. C'est le barbarisme du 21e siècle qui pas même qu'à comparer à la barbarie préhistorique. Nous sommes tous des barbares. Qui ça ou même dans la sphère côtoyer ou à bras le fait? C'est normal, c'est vous haïtien, cap koutem là, haïtien créole parler, haïtien comprendre. Mais cependant, quand sur en Chili, Brésil, en République Dominicaine, Canada, France, etc., dans le groupe côtoyer, ou ka fait conversation marché. Dans la langue côtoyer, avec moun yo kwa travay avec yo, avec zami, pour poser cette question. Qu'en est-il de notre monde? Qui ça ka passé comme ça? Pour qui ça me raille frem dans état ça au point que tout ça moi c'est pour me détruire?
m'espérer que cette semaine sainte non seulement fait à ce que nous-mêmes, qui disciples de Jésus-Christ, nous réfléchissons, mais en même fois, nous ne pas quitter réflexion pour nous, mais nous partager avec l'autre monde. Pour commencer à poser question. Qui va nous parler? Qu'en est-il de ce monde? Est-ce que nous suivons l'exemple de Jésus-Christ dans sa première parole? C'est pardonner. Pardon. Il dit, Père, pardonnez-vous. Parce que pas qu'on nous a fait. Et c'est là notre problème pour le monde. Nous n'avons pas d'intention de pardonner personne. La corruption et l'impunité, c'est deux fléaux qui ont détruit le monde que nous vivons là. C'est la corruption côté un groupe monde accaparer tous les feux, toutes les ressources du pays, il a dilapidé, gargoté les fonds publics. Pendant ce temps, pas grand rien qui était pour permettre à cet état pour encadrer jeunes. Au point que jeunes comme ouais en Haïti, yo après yo pas qu'à espérer contre l'espérance, yo obligé à garder pour yo aller vers des cieux plus cléments. Pour aider à une meilleure vie, une éducation, de manière à ce que vous-même, puis vous avez fait une famille, puis vous avez pris soin de famille, puis vous avez une vie, vous avez fait un plan. Mais étant donné, dans le côté en Haïti, c'est la corruption généralisée, pas gagner crédit dans le fonds public, puis vous encadrer, vous êtes obligé à mettre dehors. Vous prenez un impact. Dans la société, il y a capable de recevoir, ah oui, mais cependant, c'est la fuite de cerveau. Pays, donc comme Haïti, ça vient nous parler, Haïti pédit tout cerveau, ça y est, parce que ou pas qu'on est qui ça y est, t'as devenu. À cause de la corruption, qui a des effets néfastes sur la jeunesse du pays. Pas gain moyen pour construire des écoles techniques, pour y apprendre un métier, puis au vin des citoyens productifs dans le pays. Parce que vous voulez l'argent. Pas gain et fonds publics, puis vous construire l'école pour tout le monde apprendre l'ABC. Son alphabet, l'aile, il commence à grandir pour aller à l'école. Parce que vous avez un groupe de monde. Qui généralise la corruption et tout simplement ça qu'a privé, ça qu'a fait, c'est dilapider, dévaster, accaparer tout fonds public. Et ensuite, on a l'impunité. Côté nègre sous pouvoir, il n'y a aucune opposition organisée, il n'y a aucun contre-pouvoir, il n'y a aucun contre-pouvoir à personne. Mettez Seigneur. Craser, briser, dilapider, voler. Pas de quel projet de société, pas de quel plan. Et je garantis que le monde n'est pas plus bon si nous ne prenons pas de décision. Mais cependant, nous voyons que 2024, comme je dit dans les émissions antérieures, que c'est l'année des élections, côté de plus de 80 pays au plus côté y a fait élection, des élections nationales qu'après permettre 52% de la population mondiale engagée pour participer dans ces élections, soit un total de 4,2 milliards de monde après le voter. Mais malheureusement nous voyons que grand pile dans élection yo cap gain impact sur le monde, mais pour les grandes puissances, moun yo là au point de décision qui a des conséquences mondiales, c'est toujours cette géontocratie. En série de moun avancés en âge, comme nous dit des vieillards, américains ou des senior citizens, c'est yo qui sous pouvoir déjà et capable de continuer et qui croit dans cette fiction historique que la résistance armée de peuple en esclavage ou de peuple considéré comme bête de somme, un peuple qu'on pas considérer que c'est moun yoyé,
yo pensé yo ka éliminer cette résistance par le déploiement des méthodes militaires les plus cruelles et les plus sanguinaires. Et c'est même moun sa yo nous gain sous pouvoir, sous parler de la Chine, ou parler des États-Unis, ou parler de la Grande-Bretagne, ou parler de Israël et ou parler de la Russie. Ce sont ces et l'Iran, ce sont ces cette géontocratie mondiale qui a dirigé, ces vieillards, ces senior citizens qui à la tête et qui a pris point des décisions et même le temps gain élection, ils pas font pas. Nous gain exemple à monsieur Poutine, c'est le poutinisme pour la vie. Il prend un cinquième mandat qui a pris 30 ans de pouvoir absolu, incontestable et incontesté. Où est l'avenir de ce monde? Un fait est certain, durant cette semaine sainte, si nous pensons au sacrifice de la croix et les paroles solennelles prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ dans sur la croix, et yonnayo, la première, même si tout aussi solennelle et importante, il dit: Papa, pardonnez-vous parce que vous ne savez pas faire. Est-ce que vous-même, vous pardonnez frère ou dans le côté? Est-ce que vous partagez réflexion avec l'autre frère dans l'autre nationalité pour nous dire que tous ces frères, c'est pour nous pardonner les autres? Joyeuse Pâques! C'était avec vous, votre frère, le grand Parisien Salvant de Salvant Report. À la semaine prochaine.